Salut, salut les potos! Allez, encore une vidéo, j'ai que ça à foutre, on est en confinement. Hyper rapide, je vous parle de biodiversité. Voilà, truc tout bête, sachant que quand vous tondez votre pelouse, vous n'êtes pas obligé de tout tondre. Vous pouvez faire des compartiments, des passages, des petits labyrinthes, enfin voilà, il y a plein de trucs. J'essaierai de vous mettre des exemples en fait sur la fin de la vidéo en photo qui existent et que j'ai déjà vu. Voilà, moi je le fais pour la première année, je trouve ça rigolo. D'une, ça me facilite la tâche, j'ai plus besoin de tourner autour de tous mes petits bibis à droite à gauche. Et puis de deux, donc c'est un super moyen pour amener de la biodiversité. Donc et ben, c'est relativement simple, je vous montre ça. Donc voilà, donc en fait le concept il est vraiment simple, c'est de ne pas tondre partout. Et vous pouvez vous amuser à faire des motifs, comme je disais, des labyrinthes, des choses comme ça. Donc moi ici en fait j'ai tondu seulement le bord de mon allée, pareil de l'autre côté. Hein, j'ai juste tondu le bord et en fait voilà, je tourne autour, là j'ai un massif, j'ai tourné autour. Ce qui permet en fait de créer des petits passages assez sympas. Là ça fait un petit passage, c'est assez délirant. Hop, on peut repasser à l'ombre. Là j'ai tendu à l'arrière de mes deux carrés. Et là, admettons, comme on voit de l'autre côté, j'ai laissé un passage pour accéder à la boîte aux lettres. Voilà, donc c'est rigolo, c'est tout con. Et voilà, ça permet en fait de laisser de la biodiversité qui va se focaliser dans les grandes herbes et donc va pouvoir aller de partie en partie. Donc si admettons j'ai des insectes qui sont là et on pouvoir facilement traverser pour aller rejoindre donc le tel insecte, facilement pouvoir aller à la mare qui est juste de l'autre côté et facilement pouvoir aller dans mon jardin pour admettons je ne sais trop quoi, aller polliniser ou autre quelque chose. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc voilà, donc laisser des espaces sans tondre l'herbe. Hein, je vous montre un petit peu plus loin ce que ça peut donner. Là, vous voyez, il y a l'ombrage qui embête un peu, mais voilà. C'est rigolo. Je sais qu'il y a des gens, comme je disais, qui font des passages comme ça. Bon, moi, j'ai pas assez large, mais je vais vous montrer tout ça en photo, c'est promis. Voilà, allez, à plus.